Donc, alors, donc il y a des pièces là-bas. Bah dis donc, l'hôtel de ville, il est un peu flippant quand même, hein. Ah, j'ai pas le droit de... Il est un peu flippant, votre hôtel de ville. Qu'on puisse faire les niveaux dans l'ordre qu'on veut. Oui, bah oui, enfin. Les lunes, on peut les récupérer comme on veut. Après, il y a juste la première fois que tu arrives dans le niveau, t'es entre guillemets obligé de faire l'événement principal du niveau. Donc là, par exemple, bah. Voir ce qui se passe au sommet de la tour. Mais. Oh, mais non, mais! Mais même comme ça, t'es complètement libre bah de te balader, de chercher des lunes à droite à gauche, de prendre ton temps, t'es pas. Y a pas de malus à explorer. Et ça, c'est vachement cool. Ah! Ah! Je panique dans les boutons! Tout va bien. Et puis on n'est pas limité. Il y avait quand même des petits bouts de ville où j'étais pas censé forcément être. Mais j'ai quand même pu les voir. Et ça n'a pas posé problème. Je vais juste aller chercher les pièces. Hop. Et voilà. Et puis une fois que tu as résolu le problème du pays. Bah alors là, toutes les lunes, tu les récupères comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. Ah! Petite lune. Enfin, petit coffre, mais... Ah, je fais de la merde! J'imagine que ça va être une lune. Bah, en fait, il y a des fois des niveaux où tu peux choisir, par exemple. Par exemple, j'ai eu le choix entre faire le niveau de la forêt d'abord ou faire le niveau du lac d'abord et faire du coup celui que t'as pas choisi en premier après. Il y a des fois ça, mais après, par contre, il y a une certaine linéarité dans les mondes. Ils vont s'enchaîner dans le même ordre. Donc en fait, si t'as vu des streamers faire ce monde bien avant moi, c'est juste parce qu'ils ont peut-être pas dû chercher toutes les lunes comme je fais, et dès qu'ils avaient un nombre qu'ils estimaient suffisant de lunes ou juste le minimum requis, ils devaient peut-être passer au monde suivant en fait. Donc je sais pas. Mais après tu peux revenir à n'importe quel moment dans un autre monde ou des trucs comme ça. Ah oui, ça va coûter cher en impôts pour remettre tout ça en état, oui, tout à fait. Alors, salut le pingouin. Sais-tu si on peut avoir toutes les tenues du jeu sans les amiibo, même le amiibo Mario Or? Car tu l'as vu sur une vidéo, mais il avait l'amiibo. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Et s'il y a une réponse à cette question. Eh bien, je ne préfère pas savoir. Mais en attendant, moi, je sais pas. J'en ai aucune idée. J'essaie d'éviter les spoilers au max. Donc, je sais pas du tout. Honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question. Et coucou, Aurore, ça va? Coucou, toi.
Oh, je voulais aller au-dessus! Attendez. Oh, t'aurais pu t'accrocher! Ah! Mais non, mais pas comme ça! Mais non, mais pas comme ça. Mais ah! Bon, il veut pas s'accrocher, donc je pense qu'on peut peut-être pas monter là-haut. On va du coup reprendre le chemin normal. Voilà. Ah non, non, t'inquiète, t'inquiète, tu n'as rien spoil, mais je voulais dire si s'il y a la réponse à cette question, par exemple, si on peut les obtenir, enfin, par exemple, savoir qu'on peut obtenir, par exemple, cette tenue, bon, voilà, ça va, mais savoir comment, ça, je veux pas savoir. Je sais pas si c'est très clair, donc t'inquiète pas, y a pas de problème. Mais oui! Mais oui, la réponse est oui, c'est incroyable. Je trouve ça tellement, tellement cool. Oh! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non! Mais non! Ah, j'ai fait n'importe quoi dans mes doigts! Et c'était la chute! J'aurais pas pu atterrir à la réception de l'hôtel de ville, non? Faut qu'on recommence tout. Bon, je vais aller un peu plus vite, hein, ce coup-ci. Attention, hop. Voilà. On en était par là. Voilà. Ça s'est beaucoup mieux passé. Le speedrun. Eh oui, incroyable. Mais non, c'est de la bonne déconcentration. Et en plus, même pas, c'est. J'ai paniqué, il s'est passé je sais pas quoi, et j'ai appuyé sur tous les boutons, et. De toute manière, c'est pas grave, j'ai perdu des pièces, mais ça s'est récupéré, on a rien de temps. Un ami à moi est monté, et. Il ne redescend pas. Je suis sûr qu'il va bien. Et pouf! Les Goombas. Ah, il y a des pièces! On redescend! Faut que j'arrive à me décaler. Voilà. Parfait! Incroyable! Quelle maîtrise! Dit-elle avant de se casser lamentablement la gueule. Hey, y a ton pote qui t'attend en bas. On dirait qu'il absorbe l'énergie pour la transférer ailleurs. Comment tu sais ça? Mais non, 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 non. Eh oh, ça suffit!
C'est mon premier playthrough, non, je ne l'ai pas encore fini. Et j'en suis là. J'essaie de récupérer toutes les lunes possibles avant de changer de monde. Donc j'avance doucement mais sûrement. Au revoir Mario. And nice knowing you. Mais heureusement, il n'y a pas de dégâts de chute. Ben, je pense qu'on va tanker. Oh. Alors, on tire, on tire, on tire. J'aime pas beaucoup ça. Casse-toi. Et voilà, boum. Ah d'accord. Parfait! Ah mais oui, bonjour! Les ennemis qui manipulent l'espace-temps. Non mais t'as cru? T'as cru? Ah, il est tout rose. Petit cœur. Mais ouais, hein. On a une casquette magique, mais on ne manipule pas l'espace-temps. On peut pas se TP comme lui. On se fait arnaquer, moi je dis. Non, en vrai, la casquette, quand même, c'est complètement classe. Allez, le dernier! Voilà. Sur quoi je bloque? Je suis bloqué. Bon, ça va. Il est mort. Tu me dis rien du coup. Voilà, tout à fait. Tu l'as fini, toi? Ah, le petit lot de bananes. La pluie s'est arrêtée. Magie! Ouah, tu l'as fini? Bravo! À 100% ou juste dans un premier temps comme ça? Le fléau de New Donk City! Pas à 100%. Du tout, pardon, d'accord. Ah bah voilà! Nouveau départ à New Donk City, c'est parti! Oh oui! Pauline! La plus belle. On s'est débarrassé du scolopendre et en plus il fait beau. Eh, c'est la magie. Malheureusement, cette crapule de Bowser a pris la poudre d'escampette. Il faut qu'on le rattrape. Non. On n'a pas assez de lune pour décoller. Allons en chercher dans la ville. Mais oui, elle est tellement fabuleuse! T'as cru qu'on allait décoller? Effectivement, hein, tout à l'heure, vous voyez là-bas, il y a des pièces. Tout à l'heure, on était descendu là-bas, avec des sauts improbables, et il n'y avait pas les pièces de monnaie, donc je savais bien que ça servirait à autre chose. Ah! Le tableau est actif! C'est parti! C'est parce qu'il pleut plus, du coup la peinture elle s'efface pas, voilà. Tout s'explique. Et là, le tableau est sous l'eau. Bah non, 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 il est au-dessus de l'eau. Voilà, je me souviens bien. Il était là. Balcon du lac. Ouais! Eh ben, on va aller déposer la lune. Non? J'ai dit déposer la lune. Plouf! Je fais que passer. Ah. T'avais même pas vu ce tableau. Ah non, mais j'ai l'œil pour tout un tas de trucs. Quand mon pote il a joué un petit peu, je l'ai regardé ce week-end.
Il y avait des fois, je voyais des trucs, il était là, mais comment t'as vu ça? J'étais là, je fais, mais je vois tout! Alors, hop, on retourne au balcon. Ce pays, il est tellement magnifique. Oh là là. Le pays du lac, franchement, enfin. Super, super joli. On va reprendre la lune pour se faire des sous. Parce que, voilà. Et on retourne en ville. Allez. Madame la mère semble avoir une idée en tête. Est-ce que tu crois que tu pourrais aller lui parler? Bah oui, hein. La ville a retrouvé ses couleurs et son agitation habituelle. Très bien. Ah ah! Bonjour! Ouais! Dans le tunnel de Poutrelle! Ouais! Il y a plein de gens à qui parler maintenant. La vue est superbe, n'est-ce pas? Ça vaudrait bien une petite photo? Allez! Allez, toi et moi, on se fait une petite photo? Moi et mon pote Mario? Et voilà! Bon, après, certes, il parlait pas comme ça. Lui, il parlait plus comme ça. Hein? Voilà. Et ben, on fait les deux. On fait les deux. Bonne nuit, Julie. Repose-toi bien. Ça vibre. Oh oui. Bah oui, t'inquiète pas que je sais comment on fait. Waouh. Hermondai. Très bien. Ne t'inquiète pas, je sais comment prendre des photos. C'est même l'une des premières choses que j'ai fait dans le jeu. Appuyer sur tous les boutons pour trouver qu'est-ce qui fait quoi. Oh là là. Oh là là. Ah, moi je dis chapeau! Hey! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! C'est la ville de la bande-annonce, les gens! Oh là là, je suis tout émotionnée! Il y a des pièces de partout! Il y en a là, il y en a là, là, là! Il y en a 100! Faut qu'on les récupère toutes! Et comment je vais toutes les récupérer? En jouant, pardi! Il n'y a plus de tank, je peux plus péter les taxis! Ah, la petite lune. Très bien. Je vais y arriver. Cranky Avenue, Squawks Park Street. Poussez-vous! Ah! On fait péter les parcs-mètres! Je suis putain de poteau! Oh non, il y a des graines! Oh non, il y a des graines! Non, ça va. Maintenant, je les vis mieux, les graines. Oh, TG! Mais je sais même pas comment on fait! Attends, mais vas-y, je veux réessayer, là! Oui! Allez!
ça va être génial. J'ai des flashbacks de FF9. Repose-toi bien aussi. Oh là là. Ah non, mais je... Comment je regarde les scores? Ah voilà. Ah, ça va être incroyable. 1500 le premier. Eh, franchement, je suis pas mal. Allez, on va voir le premier, là. Oh là là, mais les gens sont incroyables. Mais comment ils font? En plus, je parie qu'il y a une deuxième lune à récupérer en faisant de la corde à sauter. Putain, Ben, 125 sauts. Incroyable. Oh là, il nous en a fait 50. Ah. Allez voir les streams de Lime Delicious, de Vine Sauce. Elle est trop mignonne. Putain, GE2, il en a fait 56. Mais je sais pas comment ils font, les gens. Incroyable, c'est fou. Oh non, t'es sérieux? Il faut faire 100 sauts pour avoir une deuxième lune. Bon bah, le 100% est annulé. Y a pas des strates de corde à sauter? Mais comment je vais faire sans saut? Ah! Mais non! Mais non, mais j'ai glissé! Mais comment je peux faire sans saut? Je vais jamais réussir à faire sans saut. C'est pas possible. C'est trop dur. Comment on fait?
Donne-moi plutôt un guide pour faire 100 sauts à la corde! Y a une graine à planter! C'est la mort du 100%. Ah oui! Et il a pas de chapeau. Je peux pas tourner la caméra. Ça se contrôle tellement bizarrement. Ah mais il y a des bordures sur les côtés! Je sais même plus dans quel sens allait la voiture. Ah, c'était intense la conduite de mini-voiture. Wouh! Je peux même pas faire des petits ronds. Je tryhard ce soir. Mais c'est dur la corde à sauter! Première leçon de créneau, tout à fait. Allez! La corde à sauter en scooter! Ouais, genre! Oh! Bon, peut-être pas en scooter. Mon scooter, il a des pops! Non! Arrête d'accélérer! Non! Magnifique! Record mondial! Ouais, ça a frôlé mon nez! Tu pouvais pas rêver de sauter à 50 là? Pourquoi 100? Alors, il faut chercher des tutos de saut à la corde. Hein? S'il vous plaît.
Quelle est la meilleure position? Quel est le meilleur angle pour sauter à la corde dans Super Mario Odyssey? Oh, les gens, ils en ont rien à foutre d'être mouillés. Saut! Comment on fait les sauts à la corde? Tududududu. D'ailleurs, en parlant de pièces de monnaie, oh, les poubelles qui brillent! Bon, c'était sous les poubelles. Mais quand même! Bien au chaud sous les poubelles! Bah! Ah! Je suis une voiture. Mais pourquoi tu fais ça? C'est vraiment génial ce truc. Ouais, mais c'est dur à conduire. Toi, je sens que tu en penses pour les belles mécaniques téléguidées. Vas-y, tu peux rentrer. Oh non. Plus de voitures. Oh là là. Oh là là! Comment ça marche? Incroyable! Ça commence mal. Mais c'est dans l'autre sens qu'il fallait tourner! On peut recommencer! Ah, je me casse! Oh, ça marche! Le truc, c'est de pas foncer dans les murs. Exactement ce que je fais. Alors ça va être quoi le temps complètement craqué qu'il faut faire là pour avoir une deuxième lune? Non? C'est tout?
étrange. C'est étrange. Je sens qu'il y a plus que ça. Ouah, 21 secondes. Ben, il a fait 24 secondes. On va essayer de faire sous la barre des 25. Il y a peut-être quelque chose. Peut-être, peut-être pas. C'est la catastrophe. Et c'est le record du monde qui nous échappe. Allez, on recommence. C'est terrible. Oh, je vais même pas finir le truc. Alors là, je finis même pas la course. Direction. C'est de pire en pire. Oh, dommage. Allez, encore un peu. Je dis pas une dernière fois, je dis encore un peu. C'est très très mauvais. Très très mauvais. Allez, allez! Je peux le faire. Ça, je peux. Ah! Presque! Vous allez voir un jour, je vais essayer la corde à sauter et je vais échouer à 99. Ah, c'est très très mauvais!
Allez, allez, allez! Gogo la voiture! Oh, c'est très mauvais! On recommence! Ça commence très très bien! Au moins ça c'est facile à recommencer, ça se recommence rapidement je trouve. Trop tard, trop tard. Oh. Je veux juste essayer de faire en dessous de 25. Allez, allez, en dessous de 25. Allez. Et après au dodo. Bien parti. Ça doit lui faire tellement bizarre à ce pauvre monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est n'importe quoi! Bon, allez, une dernière fois. Ah, c'était très très mauvais. Une dernière fois et j'arrête la voiture. Mais c'est obligé qu'il y ait une autre lune. Elle est apparue sur la deuxième marche et pas sur la première. Il faut forcément faire moins de 25. Oh, c'est même pas la peine. C'est obligé qu'il y ait une autre lune, parce que sinon elle serait sur la première marche. Oh, mais je fais de la merde. Allez! J'avais dit une dernière course? Absolument pas! Jamais? Trop tard. Oh là là. J'ai ruiné toutes mes chances. Oh, c'est n'importe quoi. Comment ils font les gens? J'ai dit une dernière fois couronné de succès. C'était ça le vrai mot. Mais non mais fonce pas dans les murs on a dit. Il faut les éviter, pas leur rentrer dedans. Ben, tu confirmes, il faut faire moins de 25. C'est obligé.
Parce que la lune, elle est sur le deuxième socle. Tu confirmes? Pas que je tryhard pour rien, s'il te plaît. Ah, mais putain, je fais de la merde. Allez. Mais sinon, oui, c'est complètement... Déjà vous! Oh! Alors non, pas du tout. Je fais ça pour rien? Y'a qu'une seule lune ici? Je me prends la tête depuis tout à l'heure pour rien? .5.04 et merde! Non! Il y a bien une deuxième, mais c'est plus tard. Ok. Ok, bah je me casse. On peut pas aller sur la piste! Oh non! Il y a une vitre, j'avais pas vu. Effectivement, on peut pas aller sur la piste. Bon bah on se casse. Par contre, tu m'expliques comment est-ce qu'on fait 100 sauts à la corde? Tu me fais un tuto, s'il te plaît? Monsieur, j'en ai fait 125. Tu m'expliques comment on fait 125 sauts à la corde? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Oui, mais dire que toi tu l'as fait, ça m'aide pas à savoir comment. Le rythme arrête de monter. Ouais, je sais, mais là, tout à l'heure, j'ai perdu à 60... 60 et quelques. Bah ouais, je sais que c'est à haie que je dois sauter, mais... au bout d'un moment, j'y arrive pas. J'ai l'impression que Mario, il saute pas assez vite. C'est terrible. J'avais fait 63. Toi, t'as fait... T'as fait 125, voilà. Moi, j'ai fait 63. Fais des petits sauts. Bah, j'essaie, mais c'est pas évident. Alors, déjà, le milieu, il est où? Le milieu, il est là. Oh genre! Mais genre! Il faut rentrer en transe! Il faut rentrer en transe, les gens! Il faut devenir la corde à sauter! Il faut devenir la corde à sauter! C'est bon, on s'en bat les couilles du classement! Nique le classement!
J'étais en transe. Je voyais le jeu, mais je voyais plus le jeu. Vous comprenez? On fait une sauvegarde, juste pour être sûr. Ah, c'était terrible. J'ai le cœur qui bat la chamade. C'est l'émotion. J'ai mal à la poitrine. Je vais mourir. Non! Tout va bien. C'était tellement intense. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Clin d'œil, tu sais de quoi je parle. C'était facile, d'accord, à sauter. Alors, par contre, les 22 millions du mec, là, ou les 22 000 du mec, non merci, hein, ça ira très bien, les 100 et quelques. Est-ce que c'est un Metal Gear? Non. C'est un étrange vaisseau. On a assez pour acheter une première tenue. Allez, on va changer. Quoique. Ouais, si, allez. Oh, graines! J'ai essayé de faire des sauts à la corde en scooter, mais ça marche pas très bien. Je sais pas si t'as essayé. C'est technique. C'est technique. Alors, quand il faut que je réfléchisse à faire ce saut-là, j'ai du mal. Voilà. C'est tout con comme saut, hein. Mais j'ai toujours du mal. Il faut que je réfléchisse. Vous savez, c'est le petit saut... hop, c'est le petit saut tac en arrière. Mais quand il faut que je réfléchisse à comment le faire, c'est toujours la catastrophe. Tout va bien. Alors. T'as complété 100% de nu, donc c'est type pour le moment, donc tu verras plus tard. Ok. Mais bon, du coup, si tu me dis que la lune, l'autre lune, celle qui est sur la place 1 du podium, c'est plus tard, dans ce cas, ça sert à rien que je m'acharne sur la course de voiture. Je réessaierai peut-être ça pour le plaisir plus tard, mais là, ça va. Là, ça va. Et voilà, on va être un joli ouvrier. Ensuite, on achète ça, parce que bien sûr qu'on veut ça. Et puis après, on prendra ça. Et voilà, c'est Mario Maker. Incroyable, toutes ces références à Mario. Je suis une bouche d'égout. Oh oui. Magnifique. Raté. Sacrée chute. C'est même pas un égout. Wouh! Ça se trouve, les canettes avaient une importance incroyable et j'ai tout foiré. Ah, c'est génial! Ah, la canette, elle est au-dessus! Je croyais qu'elle était en dessous. Ok.
Oh. Et voilà. À l'intérieur et à l'extérieur du dédale pivotant. Magnifique. Ouais, bon, c'est un peu trop. Eh bah dis donc, on peut continuer. On a réussi les 100 sauts à la corde. Je suis contente. Et sur ce, Mario Maker, on va s'arrêter. Parce qu'il est quand même minuit et demi. Ça fait très tard. Eh oui. Du coup, on va faire la petite sauvegarde. Waouh! Et voilà. Et puis du coup, bah... je vous remercie d'avoir regardé le stream, c'était très très cool comme d'habitude. Magnifique pigeon en premier plan! Et bah moi je vous retrouve peut-être demain si tout va bien. Et voilà. Des bisous tout le monde. Prenez soin de vous, joyeux Halloween même si c'est fini. Et puis à la prochaine! Salut salut!